Suite aux nombreuses accusations faites par Harry et Meghan dans leur documentaire à leur égard, Kate et William font la sourde oreille. En effet, alors que la presse internationale rapporte les nombreux reproches du duc et de la duchesse de Sussex, le prince et la princesse de Galles ont, quant à eux, décidé de rester campés sur leur position et poursuivre leurs engagements royaux. Pour preuve, dans la journée du jeudi 22 décembre, Kate Middleton a dévoilé une tendre vidéo à l'occasion des festivités de Noël. Face caméra, l'épouse du prince William a assuré avoir invité une centaine d'invités au service de chant de Noël filmé à Westminster Abbey au début du mois de décembre et qui sera diffusé le 24 décembre sur ITV. Une prise de parole au cours de laquelle cette dernière a pris le soin de rendre un bel hommage à Elizabeth II. Ce Noël sera notre premier sans Sa Majesté la Reine Elizabeth, a rapidement indiqué la princesse de Galles, ajoutant ensuite, Sa Majesté tenait Noël près de son cœur, comme un moment qui rassemble les gens et nous rappelle l'importance de la foi, de l'amitié et de la famille, et de faire preuve d'empathie et de compassion. Une douce déclaration qui témoigne que la mère de George, Charlotte et Louis souhaitent faire perdurer les traditions chères au cœur de la défunte monarque. Supérieur à Kate Middleton, Camilla, Mike Tyndall, la famille royale britannique face à des situations cocasses. Kate et William, sont-ils soutenus par la famille royale? Le 19 décembre dernier, le Mirror était revenu sur le silence de Kate et William face aux accusations faites dans le documentaire de Harry et Meghan. Préférant garder leur silence, ces derniers sont trop souvent accusés dans la presse d'être froids. Seulement, comme l'avait précisé le média, cette décision est fermement soutenue par les membres de la firme. Les autres membres de la famille royale les soutiennent, spécialement le roi et la reine, qui constatent à quel point les propos de Harry et Meghan dans ce documentaire Netflix, ont été incroyablement blessants, pouvait-on lire. De ce fait, les membres auraient applaudi le choix de William et Kate de ne pas s'exprimer sur le sujet. Crédit photo, agence.